pouvez voir dessus. Ce qui nous concerne, qui est ici, voilà. Vous voyez, il y a 168 bus, 34 lignes, effectifs au niveau personnel avec le chauffeur, tout confondu. Alors ici, vous pouvez voir une planchette. Cette planchette, c'est en fait compte le graphique avec tous les bus qui sont en ligne. Bon, c'est un exemple, hein, ce n'est pas celle d'aujourd'hui. Dessus, les bus sont avec des numéros. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention sur les côtés. Vous avez des numéros. Bah, c'est les numéros de bus qui nous sert à faire en fait compte le service pour injecter pour le lendemain, pour l'exploitation. Ah, c'est des heures. Voilà, les heures de sortie qui nous servent aussi. Et à partir de là, nous, on a besoin de bus pour faire la maintenance et travailler dessus. C'est pour ça qu'il y a il y en a qui sont en jaune, c'est les heures de rentrée. C'est des bus qu'on demande, qu'on planifie pour pouvoir après travailler directement dessus. Ou on a un tableau. Ce tableau se trouve directement à l'intérieur avec les noms des agents.